C'est beaucoup plus joyeux de vous dire bonsoir à musique. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On est très heureux d'accueillir ici à la Maison de la Poésie, au cœur de Paris. Et dans le cadre des soirées On vous sert un verre, proposées par l'Institut culturel roman, l'un des plus grands écrivains originaires de l'Europe de l'Est, mondialement connu, l'écrivain roman Norman Mania. Bonsoir, Norman Mania. Bonsoir. On vous propose un voyage littéraire et musical pour évoquer avec vous les grands thèmes qui traversent votre littérature et votre pensée. C'est l'exil, c'est la déportation, c'est aussi la dictature. Et on va le faire en bonne compagnie parce que c'est avec nous, Madalina Constantine, comédienne, qui va faire la lecture de quelques morceaux choisis de votre œuvre. Bonsoir. Et puis, vous l'avez bien compris, c'est avec les virtuoses Amit Weisberger au violon et Mihai Trestian au cymbalo qu'on va pigmenter toute cette soirée de sonorités klezmer venues de l'Europe de l'Est. Je pense que voilà les promesses pour cette soirée. Il y a une autre aussi parce qu'il y a une troisième chaise à vos côtés. Ce sera une séquence spéciale, carte blanche à un écrivain français pour la séquence Écrivains en dialogue. Et ce sera Olivier Guèze qui va nous rejoindre un peu plus tard. Mais la plus grande promesse, c'est de vous écouter, Norman Mania, de vous laisser la parole. Et je vais le faire tout de suite, mais pour mieux peut-être ouvrir le dialogue et les livres, un bref rappel de votre parcours. Vous êtes originaire de la région de Bucovina en Roumanie, déporté en 1941 à l'âge de 5 ans, comme presque toute la population juive de la région, dans un camp de Transnistrie. Vous avez dû après encore affronter la dictature communiste qui ne goûtait guère vos écrits, votre littérature. Et après 8 livres, je crois, écrits par un écrivain trop libre pour la Roumanie totalitaire, vous vous exilez d'abord à Berlin en 1946 et puis à New York, où vous vivez toujours, d'où vous écrivez toujours, blotti, comme vous l'avez dit, dans la maison de l'escargot de la langue roumaine, pour parler au monde entier de déracinement, d'adversité, d'holocauste et de survie grâce à la littérature. Et j'ose une première question, si ça se trouve, qui peut fâcher. Parce que nous avons pris des risques, je crois, en allant chercher des rythmes klezmer
de l'Europe de l'Est et ou des Doina de votre Bukovine natale, en sachant normalement que vous n'aimez pas trop les étiquettes. Vous n'aimez pas être constamment renvoyé à la tribu, ou à l'ethnicité, à la judéité. Et pourquoi ? Vous voulez fuir quoi ? Pourquoi cette réticence autour de l'identité ? Une grande dame de la littérature d'exil qui a vécu en France a dit que l'identité, c'est la liaison avec les autres. Mais l'entité, c'est qu'est-ce que reste quand tu es seul dans une chambre. J'essaie de combiner tous les deux. Je crois à l'individu, pas à la collectivité. Alors, je me sens proche de l'individu. Et ça, c'est la raison que je n'ai essayé de parler au nom d'une communauté, même de la même de la mienne. Je parle seulement sur moi, et ça, c'est la seule légitimité que je trouve. Ça, c'est peut-être une explication trop simple, mais ça, pour moi, c'est la vraie explication. Si vous êtes content avec cette explication, je suis très, très heureux. Je pense que, en fait, c'est en littérature, ça se passe comme ça. Quand c'est trop individuel, ça devient universel. Oui, et je crois que c'est comme ça, oui. Et on va remonter le temps, si vous êtes d'accord. Vous avez publié une trentaine de romans et des essais traduits dans une vingtaine de langues. En France, ont été publiés Le Bonheur obligatoire, Le thé de Proust, Le retour du hooligan, Une vie, qui a reçu d'ailleurs le prix Médicis en 2006, Les clous, Le dictateur et l'artiste, L'enveloppe noire, La tanière, ou encore dernièrement Les tiroirs de l'exil. Et oui, je vous invite d'ouvrir les tiroirs de l'exil et j'aimerais provoquer un souvenir de littérature, de votre première émotion littéraire. Oui, c'est déjà un long temps de là. Quand je suis revenu en Roumanie de la déportation, j'ai reçu comme cadeau un livre avec les copains verts. Avec une couverture verte. Couverture verte. J'ai resté avec ce livre dans une chambre, tête silencieuse, et j'écoutais une voix que ce n'était pas ma voix. C'était C'était des contes d'un grand écrivain populaire romain, Ion Creangă. Et j'étais vraiment fasciné par les pages, par ce silence et par la langue qui n'était pas la langue de la rue. C'était tout à fait une autre langue, séduisante, fascinante. Et après ça, je voulais entrer dans cette communauté des écrivains. J'avais seulement 9 années. Ce n'était pas un temps opportun pour la créativité. Mais ça restait avec moi
comme un souvenir très, très cher. Et ça, c'est la première, peut-être, un grand enchantement. Puis maintenir. La première rencontre. La première rencontre avec la vraie littérature. Et ça m'a séduit et m'a maintenu dans la proximité du livre. Parce qu'il y avait beaucoup de livres à la maison quand même, avec des grands-parents libraires. Pas à ma maison, parce que les grands-parents ont mouru en Transnistrie très vite. Et quand nous sommes revenus en Roumanie, c'était tout vide. Non seulement dans notre chambre et dans notre domicile, mais presque partout. Plusieurs de nos voisins juifs ont décédé. L'autre, on était très marqué par cette expérience affreuse. Alors, c'était un nouveau commencement, même pour moi. J'étais fasciné par les livres, par les journaux, par tout que c'était publié. C'était un temps difficile, d'une dictature du prolétariat. La littérature était très, très censurée. Mais j'ai trouvé quelque chose de lire. Et en première, la littérature soviétique et russe, qui était très, très bien traduit à ce temps-là en Roumanie. La littérature russe, comme vous savez sûrement, est une très grande littérature. Et je m'accommodais avec cette littérature. Ce n'était pas possible d'accéder à la littérature moderne, moderniste de la Roumanie et même de l'Occidentaux. Alors ça, c'était une compensation très, très riche, la littérature russe. On remplace facilement le recueil de contes populaires de Ion Creag, une sorte de Rabelais roman, par... Rabelais n'était pas assez populaire. Mais la langue, la sève de la langue, oui, c'était la pareil. Oui, la langue, oui, oui. Et tant mieux pour Ion Creag. Oui, c'est vrai. Et on la remplace avec le recueil de nouvelles Le Thé de Proust, à la recherche d'une forte émotion littéraire. Parce qu'on a tout de suite le souffle coupé à l'instant où le garçon rescapé reçoit une tasse de thé. Et à ce moment-là, miracle, une vision. C'est Madalina Constantin, page 49, Le Thé de Proust. Peut-être, comme on le dit, les âmes de ceux que nous avons perdus se réfugient-elles en effet dans quelque objet inanimé, absentes jusqu'au jour où elles nous sentent les approcher et où elles nous appellent pour les reconnaître et les délivrer de la mort. Peut-être, en effet, le passé ne peut-il pas être ramené sur un ordre de la mémoire et renaît-il seulement grâce à la sensation étrange, spontanée, que nous éprouvons en retrouvant l'odeur, le goût, la saveur de quelconque inerte accessoire de jadis. Ils étaient réunis, comme d'habitude, autour de lui, chacun serrait sa tasse brûlante d'eau verdâtre. Des herbes cueillies dans ces parages inconnus et auxquelles le grand-père ajoutait parfois, quand il en trouvait, des fleurs d'acacia. Sur la haute voûte de la salle d'attente, dont les ampoules rassemblaient des nuées de mouches réveillées, apparurent donc, comme sur un écran rond, le grand-père, la grand-mère, les parents, la tante, qui se réchauffaient les mains à la chaleur des tasses, et fixaient tous un même point en l'air devant eux. Le grand-père, revivant, ne quittait pas des yeux le petit cube blanc de sucre accroché comme chaque fois à la lampe qui pendait au plafond. Et ils étaient
Et ils devaient tous le regarder aussi, sans désemparer, des minutes de suite, avant de commencer à boire leur eau chaude. Ceux qui se souvenaient du goût du sucre, c'est-à-dire ceux qui avaient eu le répit avant le désastre d'habituer leur palais à la saveur des petits parallélépipèdes blancs, ceux-là se sentaient peu à peu les lèvres humides, poisseuses. Le breuvage saumâtre devenait doux, il devenait bon. Du vrai thé, disait le grand-père. La cérémonie se répétait presque tous les après-midi, selon l'ordonnance sévère voulue, non sans humour d'ailleurs, par le vieillard à la barbe sauvage, encore noire par endroits. Sûr d'en revenir, il avait gardé, signe d'hier et signe pour demain, ce morceau de sucre sali. Pendant qu'on versait l'eau bouillante dans les tasses, nul n'avait le droit de regarder ailleurs que dans la sienne. Ils écoutaient l'eau frémir et gargouillaient dans chacune jusqu'à ce qu'elle fût toute pleine. Ils levaient ensuite les yeux sur la lampe à laquelle était suspendu, au bout d'une ficelle, le dé de sucre presque blanc. Il fallait le fixer patiemment, pendant longtemps, et boire lentement son thé, commencer à le boire seulement quand on sentait ses lèvres, sa langue, sa bouche, tout son être revifié, radouci par le souvenir d'un monde auquel nous ne devions pas renoncer, parce que, pensait grand-père, il n'avait pas renoncé à nous, ne pouvait pas se passer de nous. La buée du thé montait au-dessus des tasses et il se taisait. Il se concentrait, comme on leur demandait, sur un morceau de sucre d'un blanc pas très net que leur grand-père avait eu l'idée de conserver et d'accrocher tous les jours devant eux. Bouleversante page de littérature et de mémoire. Et en fait, avec le verbe survivre, on est au cœur de votre destin et de votre destin humain et littéraire. Survivre à la déportation, la première initiation, comme vous l'appelez, dans le retour de Hooligan, survivre par la littérature au communisme byzantin. Une deuxième initiation et survivre à l'exil tardif et hésitant au-delà de l'océan en Amérique. Quel a été votre morceau de sucre pour traverser des nombreux exils? Je ne sais pas si c'était ma identité où c'était ma entité. J'étais très lié de la littérature, spécialement de la littérature humaine, pas seulement. Et c'était un très grand choc pour moi d'être obligé de me plonger dans un exil assez dur, dans une langue, dans un pays qui est un continent avec une langue que je ne connais pas du tout. Alors, vous ne parlez pas du tout l'anglais quand vous vous êtes exilé aux Amériques. Pas du tout. Alors j'étais sur de mouettes comme un enfant, enfant d'un univers de l'inconnu. C'était compliqué et c'était, comme je dis déjà, très difficile. Mais c'était le destin et c'était mon destin. D'être encore une fois exilé, comme j'étais à 5 ans, ça s'est passé à 50 années. Et j'ai essayé de survivre. Même si j'étais vraiment obsédé et sauvé, pas seulement sauvé, mais dépassé par l'incertitude.
C'est ce que j'ai appris aussi dans les récits de Kuang'e. Parce que là-bas, dans ces récits, toujours quelque chose se passe qui n'est pas été entendu, qui est vraiment un choc, et que c'est l'incertitude de la vie, mais aussi l'incertitude de l'art. Et dans ces cas, dans ces histoires populaires, presque populaires, du folklore humain. Alors, j'étais comme un élève très, très jeune, parce que cette incertitude est presque la même quand tu as 9 années ou quand tu as déjà 50 années. J'avais une bonne chance. J'ai rencontré quelques écrivains américains qui m'ont apprécié, qui vont me guider dans ces univers burlesques et compliqués. L'Amérique n'est pas ma patrie, n'était et n'est pas maintenant aussi, après tant d'années de vivre là-bas. Je suis un exilé, je suis un inconnu, je suis un étranger pour toujours. Mais je maintiens dans mon âme et dans mon cerveau la littérature, mon langue, ma langue. Et ça, c'est pas la solution très heureuse, mais c'est ma seule solution. C'est votre morceau de sucre, la langue roumaine, que vous avez gardé comme écrivain qui habitait aux États-Unis, mais qui écrivait dans sa langue. Oui, mais ça, c'est peut-être aussi une raison que je suis un peu diabétique. Mais pas autant que Cioran, un autre exilé célèbre, qui lui a quitté sa langue natale parce qu'il était, comment dirais-je, exaspéré par son lyrisme. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas quitté, la langue roumaine ? C'est précisément le lyrisme qui vous a emprisonné ? Dans mon temps, différent de son époque, quitter la Roumanie n'était pas facile. Quand il a décidé de quitter la Roumanie, il a quitté la Roumanie. Pour nous, dans cette société totalitaire, ce n'était pas facile d'obtenir un passeport, ce n'était pas facile de voyager, ce n'était pas facile de lire la littérature étrangère. Alors, c'était tout à fait une autre situation. Et il a... Il a quitté la Roumanie quand il était jeune. J'ai quitté la Roumanie forcément quand je n'étais pas jeune. Même si l'écrivain remène toujours le même enfant. Je suis un enfant de 80 années maintenant. Alors, ce n'est pas facile, ce n'était pas facile. L'enfant de 4 ans que vous étiez a eu une prémonition, parce que quitter, partir, c'est précisément un fil rouge de votre vie. Et je pense qu'on va rester à cet âge-là pour une page de littérature. C'est le titre d'un chapitre du Retour de Hooligan qui s'appelle « L'issue de secours ».
L'initiation ne s'achève ni à 9, ni à 19, ni à 49. Il faut encore quitter la maison en flammes sans entasser dans ses poches les instantanés juvéniles, vieux de plusieurs décennies, du photographe Sissi Bartfeld. Le royaume du vide l'engloutit. Il ne supporte plus la nuit, sa fange infinie et séduisante, et pas davantage la comédie des adultes, leurs ineptes soucis quotidiens, leur bavardage hypocrite, leur gesticulation de pantin. Bientôt, il ira de par le vaste monde. Enfin, parcourir le monde et prendre son destin en main. Il dénombre consciencieusement les battements de cils de la nuit, la cadence morbide de la routine. 3, 6, 9, 10, anéantissement, assoupissement. 17, 17, 17, murmure le néant. Rien, personne. La mort étreint très lentement l'instant, l'âge, le vieillard qu'il est devenu. En un éclair, le prisonnier s'arrache terrifié à l'hypnose. Sursaut, résurrection. Le voilà dans la cour, dans la rue, à gauche, à droite, vite, sur la route de la liberté, vers nulle part. Il traverse le parc en face de la gare, s'arrête devant la route. Il n'a pas d'hésitation. Il s'arrête juste le temps d'ajuster la ceinture de son épaisse culotte bouffante, de vérifier les lacets de ses brodequins, de bien tirer les oreillettes de son bonnet de fourrure, de le nouer militairement sous le menton et d'enfuir ses doigts dans ses gants de laine bien douillés. Il connaît le chemin. Passé l'église allemande, la route continue loin, très loin. Enfin, sa grande chance est là. La photo met en valeur son visage juvénile, mi-garçon, mi-fille, la ferveur de cette époque. La soudaine escapade du renégat de 4 ans veut dire séparation, exil, rupture violente. C'est en transe qu'il s'est faufilé au dehors dans la cour, dans la rue. Quitte-t-il le placenta ou erre-t-il à l'intérieur entre les polypes et les membranes voluptueuses qui s'écartent docilement à mesure qu'il avance? Ou bien n'est-ce qu'un prolongement quasi somnambulique de la nuit, le glissement dans les entrailles d'un énorme hippopotame anesthésié? Il reconnaît l'église, son toit pointu, la flèche métallique du clocher dressé vers le ciel. Il voit, à travers le brouillard, l'infini de la route qui le mènera peu importe où. Il ne s'arrête pas, n'hésite pas. Il s'est enfin libéré de cet assoupissement nauséeux. Plus de temps à perdre. Il se laisse amener loin, toujours plus loin, sur la route de Tchernoutsi. C'est ainsi qu'on l'appelle. Combien de temps dura l'aventure, la révolte de cette matinée de l'automne 1940? Difficile à dire. Le visage de l'inconnu qui, à un certain moment, arrêta le fuyard, était de ceux qu'il avait laissés derrière lui, dans ce passé léthargique et lymphatique. L'homme regarda avec amusement la mine et l'accoutrement du promeneur. Il lui demanda, soupçonneux, comment il s'appelait. Le hasard. Le mauvais moment, voilà tout. Les conséquences seraient à la mesure du scandale. La raclée, dont on n'usait que rarement, dans des circonstances extrêmes, ne suffisait pas. Le scélérat fut attaché à un pied de la table avec la ceinture qui avait servi à son châtiment. Prémonition. Quelques mois après l'évasion manquée, le fugitif devait recevoir l'initiation véritable. En comparaison, être attaché à un pied d'une malheureuse table encombrée de plats était une bagatelle au paradis. La vraie captivité ne serait pas seulement inconfortable et pédagogique, elle serait l'initiation même. Captivité et liberté ne cesseraient jamais au cours des 40 années suivantes, leur improbable négociation, leur compromis et complicité de tous les instants, leur escapade vers des refuges, des compensations secrètes. L'initiation se poursuivait, et le prisonnier attaché au pilier de granit socialiste persistait à rêver, comme tous les prisonniers, de délivrance et d'évasion. Mais entre-temps, il s'était lui-même enchaîné, Ulysse immature,
à sa table à écrire. Thank you.
Sur ce rythme qui parle aussi de cette perpétuelle négociation entre la captivité et la liberté, que nous allons enchaîner avec la séquence carte blanche, écrivant un dialogue. Brilliant timing, Olivier Guèze, soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous venez d'une cérémonie de remise de prix littéraire. Tout à fait, que j'ai perdu d'ailleurs. Ben non, ben, il faut dire absolument. Que votre dernier titre, le roman biographique, La disparition de Joseph Mengele, qui retrace la vie de Joseph Mengele, le médecin dans le camp de concentration d'Auschwitz après sa fuite en Argentine, se trouve fait partie de plusieurs listes de prix littéraires, dont Renaudot et Goncourt. Donc il y a encore à dire là-dessus. Vous êtes donc écrivain, journaliste, scénariste, auteur, entre autres, de L'impossible retour, une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945, L'éloge de l'esquive, La révolution de Jacques Coscas. Alors, je vous laisse la carte blanche avec cette question. Pourquoi on est si interpellé, si marqué par les écrits de Norman Mana? Est-ce le travail sur la mémoire de la pire période de l'histoire récente ou aussi sa façon de dérouler la pensée, c'est-à-dire le style? C'est à vous. Merci Christina, bonsoir à tous. Bonsoir Norman, ça fait au moins 2 jours qu'on ne s'est pas vu, j'ai l'air en forme. Pourquoi est-ce qu'on est touché par les écrits de Norman Manea? Alors moi, j'ai la chance de bien connaître Norman Manea, donc c'est facile d'être touché par un monsieur comme Norman. Je l'ai dit dans une autre enceinte il y a 2 jours. Norman, c'est un grand écrivain, mais c'est aussi ou avant tout un ami, voire quelqu'un que je considère comme un membre de ma famille, comme un oncle, un grand-oncle. On a fait la blague « mon grand-père » aussi il y a 2 jours, on peut la refaire. Et donc je suis ravi d'être là. Alors parmi les œuvres de Norman Manea ou les choses qu'il a pu écrire ces dernières décennies, ce soir j'avais envie de mettre en lumière peut-être 2 thèmes moi, qui m'ont souvent interpellé dans ses écrits et notamment dans ses essais. Le premier thème, et je vais l'interroger là-dessus pour commencer, c'est le rapport à la langue et le rapport de l'exilé à la langue. Je vais faire quelques citations que j'ai notées aujourd'hui en relisant des passages de la cinquième impossibilité. L'exil est une dislocation et une dépossession qui atteint l'être au plus profond de lui. Il parle de langue exilée, pardon. Il parle aussi de langue comme la langue de l'écrivain comme son placenta, véritable citoyenneté de l'écrivain. Patrie du poète, en reprenant la formule de Paul Celan qui parlait de la langue allemande dont il n'a jamais pu, qu'il n'a jamais pu quitter malgré les horreurs de la guerre et qui l'ont peut-être mené au suicide. Donc moi j'avais envie de revenir à ton rapport à la langue. Et il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce que tu racontes par rapport à ton rapport à la langue roumaine, c'est que finalement, cette langue roumaine a évidemment marqué ton parcours, ta vie, tu continues d'écrire en roumain, mais je me suis rendu compte que dès ta petite enfance, lorsque tu es déporté en Transnistrie, tu es déporté par l'armée roumaine. Et donc finalement, l'enfant de 5 ans, la langue qu'il entend, certes, c'est le roumain de son enfance, même si, comme tu le racontes dans plusieurs de tes livres, il y avait beaucoup de langues en Bukovine. Il y avait le yiddish, il y avait aussi de l'ukrainien, de l'allemand, mais toi, tu as été élevé essentiellement en roumain, et donc à 5 ans, à 6 ans, lorsque tu es déporté, la langue des soldats, c'est le roumain. Ensuite, lorsque tu reviens de captivité, la Roumanie devient communiste. On impose le communisme en roumain, et là aussi, le parti-État va user de la langue roumaine, va une nouvelle fois déformer la langue roumaine. Et ensuite, tu pars en exil et à nouveau, tu continues de réfléchir à la langue roumaine. Et je me suis dit, est-ce que tu as jamais pu jouir véritablement de ta langue, qui a toujours finalement exprimé, comment dire, en tout cas, les éléments extérieurs ont infligé des choses terribles à cette langue roumaine pour toi,
enfant, adolescent, adulte, puis après en exil. Finalement, la langue roumaine n'a jamais été innocente pour toi depuis que tu es enfant. Et donc, je voudrais que tu reviennes sur ce rapport à la langue roumaine et si tu n'as jamais voulu, quelque part, te débarrasser de cette langue roumaine comme on a pu vouloir, certains, comme certains ont pu vouloir, liquider leur passé en passant une autre langue. Et là, je pense à Sioran, dont on reparlera plus tard, qui, lui, a décidé de passer au français, même si lui, comme on en a déjà parlé également, Sioran est arrivé beaucoup plus jeune que toi ailleurs. En tout cas, c'était ce rapport à la langue roumaine, moi, qui me fascine et m'interpelle. J'ai dit déjà, je répète maintenant la banalité, que la langue, en ce cas la langue roumaine, était ma seule patrie, mon seul domicile, et c'était un refuge de l'horreur autour de nous et autour de moi. Ça, c'était spécialement après la déportation, quand j'avais venu en Roumanie et j'ai appris la langue encore une fois avec beaucoup de variations et de oui, et quand j'ai parti encore une fois, ça c'était à 50 années, j'étais déjà totalement enraciné dans ces langues, dans cette patrie, dans mon domicile. Comme tu sais très bien, je suis sûr, ils ont plusieurs des écrivains qui vivent dans un pays pas tellement cordial ou sympa, par un régime social qui est agressif et hostile, mais ils ont resté dans leur langue parce que la langue était leur âme, leur cerveau et toute leur vie. On peut donner beaucoup d'exemples de ça. Et je vais citer seulement un essai de Thomas Mann qui était important, je crois, pour notre temps aussi. Les essais avec le titre « Bruder Hitler », c'est-à-dire « Mon frère Hitler ». Thomas Mann était une féroce critique du nazisme. Il n'était pas le frère de Hitler, mais il a dit qu'il se sent responsable pour le peuple allemand, pour tout le peuple allemand, même si quelqu'un est comme Hitler. Il ne voulait se débarrasser de la part négative et quelquefois odieuse de l'histoire de l'allemand. Il est dit, je suis allemand, je prends la responsabilité pour notre destin, même quand j'étais opposé à ce destin. Alors, il faut reconnaître que ce n'est pas facile de se renaître, encore une fois, dans une autre langue, même si ce sont des exemples formidables des écrivains qui ont changé leur langue. Pour moi, c'était vraiment plus tard. C'était déjà à 52 années quand j'arrivais aux États-Unis, sans langue, mais avec une mémoire. Ma mémoire intérieure s'exprimait en langue roumaine, parce que ça, c'était mon destin. Je n'ai pas choisi ce destin, mais c'est mon destin et je l'ai adopté
avec une sorte de fatalité, mais aussi avec beaucoup d'amour pour ces langues. J'espère que tu n'es pas satisfait pas du de tout. Mon réponse. Non. Je peux commencer encore une fois. Ok. Alors, pourquoi écrire en roumain ? Non, plus sérieusement, une langue qui t'a agressé dès l'enfance. Oui. Parce que j'imagine que les violences des soldats, lorsque tu débarques dans les camps, ensuite la novlangue communiste du Parti communiste roumain, et on sait quelles étaient la force de la propagande de ces régimes-là, comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à préserver sa propre langue et l'amour de la langue lorsque finalement, au quotidien, l'histoire véhiculée par cette propre langue, qui est visiblement la chose la plus, enfin, qui est la chose la plus chérie de l'écrivain, en même temps, t'agresse quasiment au quotidien depuis que tu es enfant. Est-ce que quelque part, il y a une souffrance à écrire dans la langue, on va dire, soit du bourreau, soit de l'agresseur, soit du pouvoir omnipotent ? Je pense que la souffrance est toujours très important dans notre vie. Il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas ridiculiser. C'est une richesse dans notre vie. Je ne veux pas dire que la souffrance, ma souffrance en Roumanie et aussi dans la déportation était très heureux ou quelque chose de joie. Mais c'était une totalité de ma personnalité. Je ne peux pas ignorer la violence, l'hostilité qui s'exprimait dans ces langues des soldats, des communistes inquiétateurs, de tous ces informateurs de la police secrète roumaine et tout ça. Mais je vivais aussi dans les tranchées d'une langue qui était ma langue intérieure, et c'était aussi la langue, c'est un peu de vanité de dire ça, c'était aussi la langue de la littérature. J'ai choisi ça, je trouvais dans ces langues mon vrai, comme je dis, les tranchées de ma vie où je pouvais me protéger ou même défendre de l'agression de l'extérieur. La langue et les livres et tout ça étaient pour moi, et pas seulement pour moi, pour plusieurs autres lecteur, écrivain, une grande, grande possibilité et le plus grand cadeau de la vie. Alors, je regarde ça comme une très, très bon accident dans ma vie. Je crois que tu es presque dans la même situation. Presque, enfin, je vous... Parce que tu utilises la langue, comme je sais, aussi plusieurs langues, français, anglais, aussi allemand. Pas toutes ces langues ont été amiables avec tes compatriotes. Alors, ça, c'est pas une barrière, je crois. Et ce n'est pas une barrière insurmontable pour un écrivain et pour un lecteur. Il y a un autre thème que je voulais aborder maintenant. Et j'ai beaucoup de mal à me rendre compte, en fait, de ce que vous, les écrivains roumains, à l'époque de Ceaușescu ou même avant, qu'est-ce que vous saviez des grands roumains, grands écrivains roumains en exil ? Et comme j'ai relu des passages de la cinquième impossibilité, ce,
cet après-midi. Il y a notamment cette rencontre avec Cioran en 90, à l'époque du Salon du Livre. Il te reçoit avec Tchela, avec ta femme. Donc, j'étais très intrigué. À l'époque communiste, qu'est-ce que vous saviez, par exemple, de Cioran ou de Ionesco ou d'Eliade? Qu'est-ce que vous saviez de leur passé, notamment de Cioran et d'Eliade? Et comment vous, qui étiez coincé en Roumanie, comment vous regardiez vos collègues qui étaient en Occident et qui, dans le cas d'Eliade et de Cioran, avaient un passé plus que douteux? Est-ce qu'on pouvait les lire? Ça dépend de la période. La première période après la guerre, c'était pas possible. C'était vraiment la dictature stalinienne des prolétariats, comme on dit. Mais après la très rapide et très éphémère période de libéralisation, c'était possible de trouver ces livres en Roumanie aussi, ou de recevoir ces livres de l'étranger. Alors, je lis tous ces écrivaines, Cioran, Ionescu, un peu Eliade, pas assez. Et je l'admirais beaucoup, par exemple Cioran. J'étais accusé que j'aime une antisémite. Peut-être, je ne sais pas, mais j'aimais sa langue, j'aimais son criticisme, son sens de son sens de la critique. De la critique, même de la il était troublé, il était une sorte de rebelle perpétuel. Et je l'aimais beaucoup pour sa rébellion, pour sa révolte contre la vie, contre la banalité, contre les choses très communes dans la vie. Et j'avais, comme tu l'as dit, un entretien merveilleux avec lui. J'aimerais bien que tu nous racontes, avant de raconter cette soirée que vous avez passée avec Cioran, à Odéon, je voulais savoir si pour toi, la clé finalement de l'œuvre de Cioran et même de sa personnalité, c'est son engagement très jeune pour les légionnaires, ou pas? Ça peut être une clé. Mais ce n'est pas tout. Quand il était jeune, c'était une crise spirituelle en Europe. Et la rébellion à gauche et la rébellion à droite, même si c'est très différent, je crois, étaient presque partout. Il était dans ses opérettes roumaines, balkaniques, burlesques. Il l'a critiqué violemment et il admirait Hitler. Et il a dit parce que Hitler a sauvé le peuple allemand de l'essence de criticisme, d'un sens critique. Mais il était même, Cioran, un très, très véhément critique de la vie, de l'existence et tout ça. Cioran est paradoxal. Il est une révolté, mais même un type très mondaine. Il m'a raconté plusieurs entretiens avec autres écrivains du monde. Et ce n'était pas une discussion idéologique, ce sont des blagues. Le vin, les femmes, la littérature. Alors, il était une sorte de curiosité et certainement, il n'était pas banal. Alors, j'aimais ça
Nous avons correspondu un peu. Cette correspondance, c'est à quelle période? Parce que est-ce qu'on peut échanger des lettres avec Cioran dans les années 70? Non. Ça, voilà, c'était quand j'étais aux États-Unis. Oui, donc à la fin des années 80, tu as déjà quitté la Roumanie. Oui, absolument. Nous étions tous les deux dans un numéro de la revue allemande Akzente. Il a lu mon article sur la Roumanie. Il a dit que c'est la meilleure chose qu'il a lue sur notre pays. Alors, il m'a écrit une lettre très admirable. J'étais étonné et surpris. Et après ça, quand je venais ici à Salon du Livre, quand il a vu, il m'a invité à la maison avec ma première femme. Il était très, très cordial, très, très amical, avec un sens d'humour et d'ironie qui j'admirais beaucoup. Mais comment ça se passe quand on va dîner chez Cioran? Enfin, Bon, vous aviez déjà correspondu, mais pour toi, aller dîner chez Cioran, ça représente quelque chose de... À ce moment-là, on est en 90, quelque chose de particulier, où tu y vas comme tu vas dîner chez un autre écrivain, où il y a quand même quelque chose de très particulier à l'idée d'aller dîner chez Cioran. Peut-être, je ne sais pas. Quand je venais à Paris, je lui téléphonais parce qu'il m'a demandé de téléphoner si je viens à Paris. Je lui ai téléphoné, il s'exprimait avec beaucoup de joie. Il a dit, viens d'avoir un dîner avec ma femme. Ce n'était pas sa femme, mais c'était sa concubine, camarade, comme tu veux. Et c'était très, très, très plaisant. La femme était très hospitalière, on peut dire comme ça. Et après le dîner, elle s'est retirée dans une autre chambre pour laisser nous parler en roumain. Comme tu peut-être savais, il ne voulait parler roumain pour plusieurs décennies. Rien. Jamais. Seulement un Français qui était, je peux dire, très, très brutal, avec un accent impossible. C'était correct, mais c'était impossible de supporter l'accent. Un accent barbare, balkanique, avec beaucoup de vulgarité dans ses accents. Mais, comme j'ai dit, je l'admirais beaucoup et il a été considéré comme un très grand styliste dans la langue française, mais pas un styliste oral, seulement dans l'écriture. Et il a rencontré son souffrance quand il a commencé à apprendre français à 25 ou 26 années, parce qu'il vient de Transylvanie, où la littérature était appropriate. Très proche. Proche de la littérature allemande, pas la littérature française. Ça, c'est la différence entre plusieurs provinces de Roumanie. Je suis de Bucovine, et en Bucovine, nous étions près de la littérature et de la langue autrichienne, parce que la Bucovine n'était pas de l'Empire austro-hongrois. Mais à Bucarest, c'est la France, les Français, la modernité parisienne, mais mêlée avec une sorte de folklore turc, grec et en premier ordre russe, slave. Alors tout se mélange et à la sud du pays. Au nord, nord-ouest et nord,
Est, c'est l'influence allemande ou autrichienne. Alors, les provinces ont été très différentes. Et Sören vient de Transylvanie. Il a connu très bien l'allemand. Il a vu à Berlin dans la période quand il s'est dégustit. Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux de Hitler. Il le considérait fascinant. Et peut-être qu'il était, je ne sais pas. Et il avait une bourse de, je crois, 4 ou 5 années à Berlin. Il a écrit pour un journal roumain. Et tous ses textes sont dans l'archive. Dans l'archive Sören, et ce n'est pas une archive très heureuse. C'est une archive compliquée et presque misérable. Mais il a dépassé ça. Après la guerre, il a devenu, je crois, plus français, mais jamais heureux de ça. Qu'est-ce qu'on dit plus de ça? Nous avons un dîner très amical dans son garçonnière et je crois qu'il attendait que je pose la question juive et la question de l'antisémitisme. Je n'ai pas mentionné ça. Pourquoi? Je suis invité pour une soirée à un écrivain. Il était très amical. La question juive, dans sa biographie, reste pour toujours. Ce n'est pas nécessaire de le discuter à un dîner qui est un peu frivole, comme tous les dîners. Alors, je n'ai pas mentionné, mais... Avant de partir, il m'a offert une grande surprise. Il m'a demandé si je connais Noika. Noika était une de ses camarades à droite, à l'extrême droite, et toutes ces choses ont connu très, très, très bien. Noika était en prison plusieurs années et ça. Et j'ai dit, bien sûr, je connais son œuvre, mais je ne connais pas la personne. Nous n'avons aucune relation, aucune connexion. Il a dit, je vais te dire quelque chose. Quand Sören a venu à Paris pour me voir, il avait un petit carnet où il a noté tout que j'ai dit. Alors je lui demandais pourquoi tu fais ça? Ça, c'est pour la sécurité humaine. Il n'était pas fâché de dire ça. Et Sören était vraiment choqué. Et il m'a dit, alors, Noika était un agent dans la sécurité, un informateur. Je ne sais pas. Mais vous, probablement, vous savez mieux parce que vous étiez camarade avec lui. Vieux camarade dans la même idéologie et dans le même mouvement d'extrême droite. Alors ça, c'était à la fin. Et ça, c'était un peu acide, peut-être. Il y aura poutine acide. À test final. C'était un peu acide, oui. Oui. Alors, corrosif. Quoi? Corrosif. Oui. Ça, c'était la fin de notre conversation. Nous avons correspondu après ça. Il a mouru. J'ai écrit quelques phrases dans le New York Times sur lui avec Susan Sontag, qui était aussi une sorte de critique et admirateur de lui.
Ça, c'est les petites histoires avec Suran. Mais est-ce que je sais pas, on a encore un petit peu de temps? Oui. Au moins pour une dernière question. Et est-ce que vous qui étiez coincé en Roumanie, les écrivains roumains, est-ce que vous enviez cette génération-là, un peu plus âgée, qui avait décidé, qui avait pu partir en Occident? Est-ce que c'était des modèles? Ou alors c'était, parce qu'on a l'impression qu'il y a une déconnexion complète entre ta génération d'écrivains en Roumanie, avec une toute autre réalité, presque un autre pays, même si c'est la même langue, et la génération précédente, qui a formidablement réussi en Occident, enfin, vraiment qui sont devenus des emblèmes de la culture européenne et évidemment de la culture roumaine. En premier ordre, je crois que c'était l'envie. C'était l'envie que ces écrivains vivent dans un pays libre, dans un monde libre, qu'ils peuvent s'informer sur la littérature mondiale et tout ça. Mais nous étions presque heureux parce que nous étions dans notre langue. Et nous savions déjà que ces migrations d'une langue à l'autre pour un écrivain est presque toujours un désastre. Alors, nous étions là-bas, pas assez heureux, parfois vraiment malheureux, mais avec notre livre, avec notre provincial rêve et tout ça. C'était la situation que ne nous fait pas heureux, mais c'était accepté de presque de tous mes collègues. Le rêve d'être en Occident a resté pour toujours et pour plusieurs de nous, mais ce n'était pas vraiment réalisable. Et aussi, c'était un danger profond dans ces changements. Changement de langue, changement des amis, changement de vie quotidienne. Et nous avons ici deux jeunes femmes qui ont fait ça. Je ne suis sûr qu'ils sont très, très heureux ici. Même si c'est Paris, c'est la grande ville, c'est la grande capitale littéraire, on peut dire, du monde. L'exil est une expérience affreuse. Et pour un écrivain, c'est presque la suicide. Sont beaucoup d'écrivains qui se sont suicidés en exil. C'était une solitude presque insupportable, sans la langue, sans les lecteurs, sans les racines de la spiritualité. Alors, c'était le destin, même pour moi. Je pouvais émigrer en Israël parce que, comme tu sais, j'étais né de vieux Abraham. Mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas rester dans une galoute. À l'étranger? Quoi? Diaspora. Oui. Dans une sorte de ghetto nouveau, même si c'était israélien et juif, et je ne me sentais capable de survivre avec mon langue et mon provincial langue de Roumanie là-bas. En Israël, c'est une grande communauté de juifs roumains. Mais ça ne me plaît beaucoup. Même à Paris, il y a une communauté de roumains, parce que Paris était toujours notre capitale étrangère. Mais je ne voulais venir à Paris. Mais il faut le dire que je ne voulais pas
être en Amérique du tout. C'était pour moi un cauchemar. Et après 3 ou 4 mois, j'avais un entretien avec l'attaché culturel d'Italie. Et je lui dis, écoute, je ne peux pas supporter ce pays. Je vais retourner en Europe et j'ai besoin d'une bourse en Italie. L'Italie est vitale, la musique, tout ça, la gastronomie. Mais il ne peut m'aider. Il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu connais de l'Amérique? J'ai dit, écoute, j'ai visité New York, Chicago, Boston. C'est pas l'Amérique. L'Amérique est la meilleure école de solitude. Je dis, mais je sens déjà quelque chose sur la solitude. Je n'ai pas besoin d'une autre école de solitude. Il faut rester ici. Ça, c'était son réponse. Et vous y êtes resté, et plus tard, des écrivains américains vous jalousaient pour votre langue intraduisible. Ils disaient que vous avez une langue, tandis qu'eux, ils n'ont qu'un instrument de communication. Ils ont des écrivains de l'Europe de l'Est qui sont accommodés aux États-Unis, qui ont fréquenté l'école et l'université américaine, mais qu'ils se sentaient polonais ou tchèques ou yougoslaves, même après plusieurs années en Amérique. Moi, j'étais enfermé dans ma langue, et ça, c'était mon destin. Je ne peux pas faire rien pour ça. Alors, Olivier Guez, vous restez avec nous. Merci beaucoup pour ces moments très passionnants de Merci dialogue. On va découvrir ensemble une facette peut-être moins connue de Norman Mania. Et on va tourner donc la page pour découvrir un poème. Mais d'abord, le passage vers la poésie, ça se fait en musique. Avec une doina, je pense. Et ce sera une Romanian fantasy. Romanian fantasy. Romanischer fantasy, in Yiddish. D'abord, je vais m'accorder 2 secondes. Merci. Pas beaucoup. Thank you.
Quel rapport avez-vous avec la poésie, Norman Manner? Vous citez plusieurs fois dans vos écrits Benjamin Fondane, Paul Celan. Vous les citez bien sûr pour leur destin tragique, mais pour leur poésie également. Et dans Le retour du hooligan, il y a le poète avec une majuscule qui est un personnage important. Avez-vous écrit de la poésie? Oui. J'étais un poète à 12 ans. J'étais amoureux d'une collègue de moi à la lycée. Elle avait le nom Norman Brogna. Alors elle était après moi, Mania Norman, Norman Brogna. Et j'étais aussi amoureux de Josef Vissarionovitch. J'ai écrit un poème sur lui et je me sentais très bien avec un groupe très éminent du poète du monde, Aragon, Éluard et tout ça. J'étais très jeune et infantile et il n'a pas répondu. Alors, j'ai renoncé à la poésie, j'ai fait d'études polytechniques, et après ça, j'ai recommencé d'écrire dans cette période de libéralisation dans Roumanie, 66, 68, 69, et ça, c'était le début de mon seconde période comme écrivain de prose. D'invasion. Et en 2003, vous arrangez des mots inquiétants, fébriles, humanistes, sous forme de poèmes. C'est Parler à la pierre. Est-ce que vous connaissiez ça, Olivier Guèze, ce poème dédié à son père et à Primo Levi? Non, j'avoue, je ne connaissais pas avant. On parle un peu de la soirée, je ne connaissais pas ce poème. Moi non plus. On a préparé un extrait et on reparle après. Vous qui habitez dans le silence de l'éternité, ici sur la colline de pierre, vous ne savez plus ce qu'est un homme. Vous ne savez pas ce qu'est un homme. Vous ne savez pas ce qu'est un homme qui se débat dans la vase des journées éphémères, les superbes jours et nuits de l'incertitude. C'est de Babylone que nous sommes venus, de l'éphémère Babylone, du nouveau monde nous sommes venus ici, dans la cité éternelle, ici, à la tombe d'un homme qui n'est plus un homme riche de jours et de nuits, les superbes jours et nuits de l'incertitude. C'est à la foire du livre que nous sommes venus, à Jérusalem, comme il y a 2 ans, comme il y a 4 ans. Comme il y a 2 ans, il y a 4 ans, le soleil du désert me fend de nouveau en 2, en 4, en 44, ici, sur la vieille colline, parmi les pierres blanches, torrides, pierres muettes, comme le soleil cette journée parfaite, l'impitoyable soleil judaïque de l'ancienneté, incendie de nouveau, comme il y a 2 ans, il y a 4 ans, le cimetière Givat Shaul. On obtient l'éternité à bas prix ces jours-ci, à chaque coin de rue, dans chaque autobus de la mort. Les grenades éphémères sont préparées à rendre muette l'incertitude. Devant la pierre au nom d'homme, dans le cimetière aux pierres blanches, parfaitement taillées, le blanc du fer incandescent, Primo Levi fait maintenant sa prière. Devant mon père, devenu Pierre. Il est venu, Lévi, oui,
il est venu cette année à la foire du livre. Il y en a peu à avoir eu le courage d'affronter l'hystérie de cet été. Les festivités se sont rabougries, effrayées dans la cité éternelle. Mais lui, il est ici, ignorant les conseils des amis, des millions d'amis de ses livres. Primo Levi est venu au cimetière Givat Shaul pour prononcer de nouveau ses questions devant la pierre, devant le héros inconnu du fléau d'hier, ici dans la cité éternelle, dans le Jérusalem assiégé par le fléau d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement aux pierres éternelles qu'il parle. Primo Levi pose de nouvelles questions à ceux qui vivent dans les gîtes de l'éphémère et qui reviennent le soir parmi des visages fraternisés par le spectacle de la dernière explosion, par la frénésie qui transforme le corps et l'esprit et l'âme en bombes impétueuses. Demandez-vous si c'est un homme, celui qui devient projectile. Demandez-vous si c'est un homme, le robot qui déchiquette de vieilles femmes et des petits-enfants, et les tables où la soupe chaude attend. Demandez-vous si c'est un homme, celui qui nage difficilement dans la vase de l'incertitude, luttant pour son bout de pain et pour le bout de paix de l'éphémère, et qui est anéanti instantanément sans pouvoir dire oui ou non. Demandez-vous si c'est une femme, celle qui est cachée sous l'emblème du goudron de la dynamite, sous l'hypnose belliqueuse de l'assaut, la femme sans cheveux et sans nom, portant seulement le masque noir de la haine sur son visage délicat comme un croissant. Demandez-vous si c'est une femme, la mère folle, aux vœux vides de grenouilles en hiver, qui s'arrache comme une malédiction archaïque, les cheveux brusquement blanchis, la femme qui ne peut plus se souvenir du nom de l'enfant qu'elle portait dans ses bras il y a un instant, le dernier instant, quand il était déjà une balle de sang, jetée vers le ciel sourd et muet. Le ciel clair comme l'immensité bleue et muet comme le gouffre de sel de la mer morte. Gravez le souvenir de l'horreur dans vos calendriers diurnes et nocturnes, les superbes jours et nuits de l'incertitude, et répétez-le à vos fils et aux fils de vos ennemis. Si c'est un homme, demandant maintenant l'exil, tout en écoutant près de lui l'ombre, venue elle aussi dans la cité du livre éternel pour répéter l'ancienne question. L'éphémère captif des incertitudes est près de lui l'émissaire de l'éternité. Écoute ensemble le silence de la pierre qui avait été un homme. Cryptique et trompeur et absolu était le silence dans le cimetière Givat Shaul, le silence dernier, la certitude dernière. Ils écoutaient ensemble le silence de la pierre qui avait été jadis un homme, aveuglés tous les deux par les mises en scène de l'harmonie à l'heure de paix et de sang du coucher complice. D'une actualité poignante, dramatique. Vous l'avez écrit en 2003 et il a été publié en 2008 en 10 langues. Qu'est-ce qu'elle peut, la littérature, devant l'adversité, Norman Mann et Olivier Guèze? Très peu. Peut-être rien. Mais même ça est dit. La littérature est nécessaire pour l'homme, pour se regagner, pour essayer de comprendre
l'existence. Mais la littérature ne peut faire beaucoup contre l'agressivité. Je ne crois pas. Je ne suis pas beaucoup plus optimiste que Norman. Je pense qu'il y a spontanément, comme ça, face à l'adversité, l'écrivain ou simplement l'homme va écrire, va témoigner, va laisser une trace, d'une certaine manière, de cette adversité. Mais on a des traces de l'adversité depuis des centaines, des milliers d'années. Et c'est pas pour ça que la nature de l'homme a été changée par ces traces d'adversité. Le journal d'Anne Frank n'a rien changé fondamentalement. Ça a ému des gens, ça a laissé une trace, l'histoire de cette adolescente prise dans les mailles de l'histoire et tuée par l'histoire avec un grand H, mais ça n'a pas changé grand-chose. Je peux donner un contre-exemple absolu, puisque ces dernières années, j'ai beaucoup fréquenté Joseph Mengele. Mengele était un grand lecteur. Mengele est le fils, un représentant typique de la grande bourgeoisie allemande, bavaroise, du début du XXe siècle. Mengele a deux doctorats. Mengele aimait la lecture classique, et Mengele, lorsqu'il est à Auschwitz ou lorsqu'il se cache en Amérique du Sud, continue de lire les classiques des Lumières allemandes, par exemple. Mais il n'y a pas de lien entre ces lectures et l'homme qu'il fut, en fait. Et évidemment, face à l'adversité, je crois que tu en parles d'ailleurs dans un livre, en tout cas, moi je sais qu'on en a parlé ensemble. Par exemple, pendant le siège de Leningrad, qui a duré 900 jours, les gens continuaient à lire. Ils mangeaient des chiens, des rats, ils se mangeaient entre eux, mais certains continuaient de lire Tolstoï, Dostoïevski, que sais-je. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayaient d'oublier, je ne sais pas, l'environnement, se projeter quelque part, penser à autre chose. Mais face à l'adversité, la littérature est malheureusement très souvent impuissante. Elle laisse une trace, avant tout. Alors, une toute dernière question, Norman Manna, pour essayer de ne pas rester dans ce ton pessimiste. Si vous étiez devant le garçon, l'enfant de 9 ans, qui découvre la littérature, qui s'apprête à tomber amoureux du pouvoir des mots, vous lui direz quoi aujourd'hui? Que la littérature, comme la beauté, peut pourtant sauver le monde? Je ne crois pas. Dostoïevski a dit ça, que la beauté va sauver le monde. Nous sommes ici, nous avons vu que la littérature n'a pas sauvé le monde. Mais, même comme ça, la littérature est nécessaire. Elle donne une sorte d'intégrité, une sorte de courage, une sorte de lucidité qui est nécessaire pour supporter la vie. Si je viens de voir mon alter ego de 8 ou 9 années, je lui dis que j'ai maintenant à son âge. Ce n'est pas une très grande différence entre l'enfant que j'étais là-bas et l'enfant que je suis maintenant. C'est vrai, c'est une différence d'âge entre 8 années et 80 années. Mais pour moi et pour l'enfant que je suis, ce n'est pas une grande différence. J'ai resté cet enfant qui veut voir et comprendre la vie et l'existence, même si ce n'est pas, si ce n'est pas une très heureuse aventure. Merci Norman Manna, merci Olivier Guez. Merci, je peux juste rajouter une chose par rapport à l'enfant, Norman. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez fascinant chez l'écrivain et chez Norman.
c'est l'idée, peut-être totalement infantile, qui est de créer un monde, bâtir une cathédrale avec des mots. C'est comme un enfant qui a une boîte de Lego devant lui et qui va dire, je vais construire un garage, une fusée ou que sais-je. Et l'écrivain, quelque part, il est comme cet enfant devant sa boîte de Lego, il se dit, je vais construire quelque chose avec ces mots. Et une dernière chose, peut-être, la littérature, malheureusement, n'a pas de pouvoir magique, mais je crois qu'elle crée une espèce de chaîne de solidarité entre les lecteurs. Je crois qu'un enfant du Rwanda, s'il lit, des textes sur la guerre en Union soviétique ou sur que sais-je, quelque part, les hommes se ressemblent pour le meilleur et pour le pire. Mais quelque part, entre l'enfant du Rwanda, l'enfant qui a souffert en Union soviétique, dans l'Allemagne nazie, ou un petit Syrien qui lui aussi se retrouve pris dans les griffes de l'histoire aujourd'hui, il y a cette espèce de solidarité que transmet la littérature. Voilà. Une cathédrale de mots. Nous avons préparé des fragments presque poétiques de votre œuvre, et c'est un libre service pour le public de ce soir. Sur un plateau, on vous sert des verres et des verres, un vin d'amitié offert par l'Institut culturel roumain après notre soirée. Merci infiniment. On arrive donc à la fin de ce voyage à travers votre vie et votre littérature. On ne saurait jamais remercier assez les traducteurs et les éditeurs qui éditent et qui publient votre œuvre. Il y a plusieurs traductions, plusieurs titres sont disponibles ici dans le coin librairie à la Maison de la Poésie. Et votre dernier titre également, Olivier Guèze, c'est le moment de les avoir avec des dédicaces. Merci infiniment aux artistes qui ont été avec nous ce soir et à la Maison de la Poésie de nous avoir accueillis et à l'Institut culturel roumain qui soutient chaleureusement la série de soirées. On vous sert un verre. Le prochain rendez-vous le 17 octobre à l'ambassade de la Roumanie. Quelle couleur choisiriez-vous pour clore notre soirée en musique, Norman? J'étais et je suis une communiste. Amit, débrouillez-vous. J'aurais pu chanter la internationale en yiddish, mais... pas l'internationale. Parce que la tigva, c'est l'espoir, n'est-ce pas? Ben, oui. Je vais chanter, on va jouer trois derniers morceaux. Et donc le deuxième, c'est une chanson en yiddish. Et si vous voulez, vous pouvez l'interpréter aussi comme une chanson communiste. Ouais. On peut l'interpréter comme on veut, en fait. C'est une chanson sur le spirituel et sur les spirites, les vodka. La vodka. Weg der Nächten, noch nicht der Morgen.
Es ist noch da ein bisschen geheint, stört ihm nicht mit Sorgen. Habt ihr eine Wodke, kurz wann ihr seht beim Leben, weil ihr mir sehr schäm auf jener Welt wird mir euch nicht geben. Ai, 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 yadi dai yadi dai yadi dai dai yadi dai dai yadi dai dai.